C'était très compliqué parce que ça a été un long processus. Parce que d'abord, j'ai casté des vrais comédiens. C'était très, très compliqué parce que je sentais l'intonation du jeu. Les gens qui jouaient des méchants, je sentais trop le fake, quoi. Et donc, j'ai fait ce qu'on appelle un casting, excuse-moi l'expression, sauvage. Et donc, par exemple, Vincent, mon directeur de casting, l'a croisé dehors. Il lui a dit, t'as de bête dedans. Est-ce que tu veux tourner dans le film? Puis voilà. Et donc, j'ai casté tous ces assassins, entre guillemets, ceux qui jouent les assassins, en casting sauvage. Et donc, c'est une façon différente de travailler avec ces comédiens-là, parce que c'est des diamants bruts. Il faut qu'ils oublient la caméra, parce que c'est compliqué. Quand on a tourné dans la voiture, on avait le chef opérateur qui était à l'intérieur de la voiture, avec un mec au-dessus, sur le toit, qui conduisait la voiture. Donc, il faut leur faire oublier l'outil, quoi. Parce que c'est très compliqué d'être naturel avec 50 personnes qui avaient à l'air. Donc, avec leur partie à eux, on a travaillé différemment. Et donc, c'est ce qui donne ce côté très réaliste.